Ouais, shalom, shalom ce matin, aujourd'hui c'est le 23, c'est ça? 23 mai 2015, voilà, c'est samedi. Et shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en pleine répétition, il est pratiquement ici 8h, 9h moins au Maroc, il est 8h moins en GMT, c'est une heure de décalage. Nous sommes en pleine répétition par rapport au problème de tout à l'heure. Dis en même temps à tous nos amis qui n'ont pas eu le temps de venir, n'est-ce pas, assister à ce programme. C'est vrai que ça a été un peu brusque, mais quelque chose est en train de se passer ici au niveau du Maroc. Par la grâce de Dieu, nous voulons, n'est-ce pas, remettre quelque chose. Et surtout, on aura l'occasion demain, dimanche, de communiquer là-dessus pour le mois de juillet. Au début du mois de juillet, nous aurons quelque chose de très balèze au niveau de Rabat. Nous aurons l'occasion de faire 10 jours par la grâce de Dieu pour tous ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, visité par le Saint-Esprit, parce que nous avons un programme ici au Maroc, et nous avons un programme aussi dans le monde d'autres aussi, dans le monde aussi de d'autres Côte d'Ivoire. Nous allons pratiquement comme ça. Que ceux qui veulent venir en été ou la Côte d'Ivoire, pas de soucis, il y aura moi. Et en même temps, le même mois d'août, après le mois de programme de monde de la Côte d'Ivoire, nous allons encore revenir sur le Maroc. Ça sera un peu comme ça maintenant, chaque mois, par la grâce de Dieu. Nous avons maintenant une base ici, à Rabat. Nous avons maintenant une base ici, par la grâce de Dieu. Nous avons l'occasion, par la grâce de Dieu, de venir tous les mois. C'est pour cela que nous sommes là, justement, pour dire, nous sommes en train de répondre aux besoins et aux soucis de beaucoup de personnes. Vous savez que le Nord, c'est vrai que nous évangélisons dans l'Afrique de l'Ouest, nous évangélisons dans pas mal de pays. Moi, j'ai connu pas mal de pays. Mais vous savez qu'à partir du Nord, c'est à partir du Nord que tout vient du Nord. Ouais, donc il faut vraiment maîtriser les ports du Nord. Le Seigneur nous met ici, a mis à cœur. C'est vrai que c'est un pays, mais c'est dans le fond, c'est islamique. Mais nous essayons, n'est-ce pas, d'évangéliser. Parce que vous savez que le Maroc ici, c'est une grande plateforme, si vous voulez, de beaucoup de choses. C'est d'ici que nos frères transitent vers l'Europe. Ils meurent beaucoup dans la Méditerranée, c'est ça vous dites? Aller ici, donc il faut une œuvre terrible d'évangélisation, un temps de conscientisation pour les amener à comprendre que on ne peut pas le Grado n'est pas forcément l'Europe, mais on peut réussir au niveau de l'Afrique. Voilà, donc Dieu nous a mis à cœur de œuvrer maintenant. Donc nous avons maintenant une base et nous avons l'occasion d'annoncer ça demain, demain 25 officiellement l'église, officiellement demain. Mon seul amour, à mon seul amour, yeah, à mon seul amour, à mon seul pour dire merci à tous ceux qui nous parlent dans le cœur, depuis la France, depuis les États-Unis, sans oublier le pasteur Amisha, depuis New York. Merci, coucou à toi et à ton épouse à l'église de New York. À très bientôt, par la grâce de Dieu. J'ai vu aussi coucou à Denis et Pan, depuis les États-Unis. Merci aussi à tous ceux qui de la France. Merci aussi à tous ceux qui nous parlent dans le cœur, sans oublier Maman Naomi. Shalom à toi. Et je dis aussi merci aussi à Armel Quadio. Amel Conan plutôt, j'ai chanté de Amel Conan qui, nuit et jour veille mon envie de pouvoir vous satisfaire en matière de qualité des vidéos et tout ça. Nous sommes en train de pleine construction. Nous sommes en train de prendre construction au niveau des Divo dans le but de pouvoir porter beaucoup de choses, c'est-à-dire la maison, dans la réhabilité des maisons. Merci déjà pour ceux qui nous apportent déjà leur soutien. Merci pour cette dame camerounaise qui était angoissée hier. Reine, je te dis coucou de passage, dis à ton mari aussi, vous n'avez plus mangé, vous n'avez pas fini mes chocolats. Donc, pour dire coucou à tout le monde, le combat il continue. Notre ministère, c'est le dévoilement et la destruction. C'est le dévoilement et en même temps la destruction des œuvres de la sorcellerie. Le dévoilement, nous sommes ici au Maroc. Nous sommes. Jésus a donné nous aller. Jésus a donné. Jésus a donné nous aller. Jésus a donné nous aller.
C'est symbolique, ça veut dire que la fête de la récolte, la fête de la moisson, c'est la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson, voilà, qui s'est fêtée par la grâce de Dieu, où les dissolutions, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Bonne fête de Pentecôte, et surtout que Dieu nous fera entrer dans une autre dimension de sa puissance, de la manifestation de son esprit. Et moi, je conseille à tout le monde l'humilité, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important d'être humble. Parce que de reconnaître toujours que c'est Dieu qui nous emploie, c'est Dieu qui nous utilise en toute chose, c'est Dieu qui nous utilise. Mais en même temps, cette chanson que je viens de chanter, n'oubliez pas qu'il y aura des Judas dans votre vie. Il y a des personnes qui vont chercher à vous espionner. Ils feront tout pour entrer dans votre vie, pour avoir toutes sortes d'informations, pour vous détruire. Et je vous appelle à beaucoup de vigilance, à beaucoup de prudence, parce que c'est ça l'élément de la sorcellerie. Ils viennent d'une manière subtile. Investir tout propre de la vie, investir dans votre vie. Et ces mêmes personnes que vous avez aidées, c'est ces mêmes personnes qui se tourneront contre vous demain. Voilà, qui feront tout pour vous détruire. Ils ne se souviendront pas de l'aide que vous les avez apportée dans le passé, mais ils feront tout pour vous nuire. Ils vous utiliseront tous les moyens pour détruire votre vie. Ils feront tout pour vous détruire. Moi-même, je suis victime de tout ça. Mais que la gloire revienne au Seigneur, c'est important. C'est important d'être beaucoup vigilant et bonne fête de la Pentecôte. Mais désormais, nous aurons maintenant une base ici au Maroc. Et précisément à Rabat, donc on aura l'occasion de vous expliquer dans les moindres détails demain à la fin de la Pentecôte. Le programme continue et tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous aurons un grand programme de délivrance et de restauration. Et c'est beaucoup important. Chaque homme de Dieu a son onction. Et l'onction que Dieu nous a donnée, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie, le dévoilement et la destruction. Shalom, soyez bien.